Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer ce weekend vlog, j'aimerais bien vous présenter une marque de literie. Zezo, en fait, Zezo c'est une marque de qui vend tout ce qui est pour le lit, des parures de lit, que ce soit 2 pièces, 3 pièces ou 4 pièces. Donc vraiment c'est de la bonne, de la très très bonne qualité. Donc en fait moi j'ai eu de la chance, ils m'ont contacté pour une collaboration, j'ai accepté avec plaisir. J'ai d'abord été faire un tour sur leur site et vraiment leur qualité des produits, vraiment juste au visuel c'est vraiment très très beau. Donc là j'ai choisi, enfin c'est Jérémy qui a choisi, il a choisi les 3 pièces de lit. Donc il y a le drap plat, il y a le drap, la housse de couette et il y a les têtes d'oreiller en fait. Donc vraiment c'est de la, voilà. Je vais pas trop parler, je vais vous montrer. Et vraiment je suis très très contente de cette collaboration. C'est vraiment une marque de haute qualité. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu ce que Jérémy a choisi. Donc quand on a reçu la collab, c'est lui qui a vu en premier, donc il a choisi. Donc quand vous recevez votre colis, vraiment c'est super bien protégé. Donc il y a déjà, il y a leur marque ici. Et vous le recevez déjà. Waouh! Regardez comment c'est trop bien présenté. C'est écrit là-dessus. Je sais pas si vous allez voir. Merci de votre soutien. Donc voilà, c'est comme ça. C'est présenté comme ceci. Et vraiment, là, moi, j'ai choisi la taille de mon lit, quoi. C'est 160 x 200, mais j'ai pris un peu plus grand pour que ça puisse tomber sur le côté, pour que je puisse replier et que ça fasse super, super joli. Donc voilà. Et vraiment, mais regardez-moi ça. C'est Jérémy qui a choisi, donc regardez comment il a pris cette couleur-là avec, regardez la broderie, comment c'est trop, trop beau. Mais la qualité, waouh, c'est du, et en plus de ça, vous savez quoi, c'est du 100% coton. C'est du 100% coton. C'est vraiment, mais super beau. J'aime beaucoup. Par-dessus tout, tout ce que, en fait, ce que j'aime aussi, c'est là. Quand vous mettez votre housse de couette, en fait, il n'y a aucun risque que ça glisse, en fait, parce qu'il y a la fermeture, en fait. Vous pouvez le refermer avec la fermeture. Attendez, si je trouve, je vais vous montrer. Que ça soit sur... Mais vraiment, franchement, la qualité, c'est vraiment très, très doux. Donc, voilà, regardez. Il y a la fermeture. Parce que moi, en fait, mes housses de couette, à chaque fois quand je les mets... Ça glisse en fait. Et là, il n'y a pas de risque que ça glisse. Parce qu'il y a la fermeture avec. Donc, franchement, ça, c'est un point en plus. Et après, j'ai le drap plat qui est là. Mais après, je vais faire mon lit et tout. Comme ça, vous allez voir. Là, j'ai déjà tout enlevé. Là, c'est pas lavé en fait. Donc là, je vous présente tel que c'est. Et après, j'enlèverai pour tout laver avant de faire mon lit avec. Waouh, 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 waouh. Là, du coup, c'est le drap plat. Franchement, c'est... c'est magnifique. J'aime trop. Et les têtes d'oreiller. En fait, il y a tout... vous pouvez avoir toutes les tailles du lit, en fait. Hein. Toutes les tailles du lit. Donc, regardez comment c'est super grand. Mais quand je vous dis c'est super grand, il y a la broderie ici, là, qui... regardez comment c'est... Waouh, waouh, waouh. J'aime beaucoup. Moi, j'ai pris un 65 x 65, en fait. C'est la taille de l'oreiller. Parce que ça va, mon oreiller, il est assez grand. Donc, ça va le faire. Je suis super contente. Franchement, c'est... Et j'ai un code promo pour vous. Avec le code promo TICIA30, vous avez droit à moins 30%, les amis. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, voilà. Et regardez. C'est bien écrit là-dessus. Du 100% coton. Je suis trop contente. Mais vraiment, là, je suis mais satisfaite. Sans plus tarder, là je vais faire le lit, comme ça vous allez voir le rendu en fait avec le lit, parce que c'est bien beau de dire, mais il faut faire le lit, comme ça vous allez voir.
Bon, du coup, les amis, voilà, c'est fait. Regardez-moi ça, cette broderie là, comment c'est trop beau, tout doux. Vraiment, les détails, c'est vraiment, c'est bien dur. Vraiment, ça se voit que c'est vraiment de la haute qualité, quoi. Là, vraiment, monsieur, il a bien choisi. Hein. Je suis super content. Donc, n'oubliez pas, les amis, avec mon code promo Tissia 30, vous avez droit à moins 30% sur leur site. Donc, voilà, en tout cas, merci à Zezo d'avoir, de nous avoir contactés. Je suis très, très satisfaite. T'es satisfait ou pas? Ouais. J'ai bien choisi. Ouais. Est-ce que je peux plonger ou pas? Franchement, dans la vidéo, je sais pas comment ça va donner, mais en vrai, ça c'est trop, bien, trop magnifique. Arrête! Tu vas tout défaire. Voilà, il a tout défait. Tu es sérieux? Oh, c'est beau. Moi, c'est 30% bon. Avec mon code promo. Franchement, c'est super bien. Tissia 30. Allez, au revoir. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle semaine de Week Clean Vlog. Là on est le 15, lundi 15 juillet. Oh, il doit être à peu près 10h. Jérémy et Wallace sont partis en course. La maison elle est dans un état, mais je vous dis même pas. En fait habituellement le ménage je le fais le soir, mais là depuis que je me suis cassé l'orteil, arrivé en fin de journée, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Donc le ménage je le fais même pas. Je le fais pas. Et là vraiment c'est voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Ici on est dans la ici on est dans la vraie vie, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais vous montrer l'état de la maison un petit peu. Je vais vous faire un home tour de salon, salle à manger, cuisine. Comme ça au moins vous allez voir l'état de ma maison. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une maison dans un état comme ça? Ouais. Ici on est dans la vraie vie. Donc je vais vous montrer tout ça les amis. J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, orage, il va faire 26 degrés. Pour le moment, il ne pleut pas, mais en fin de journée, je pense qu'il va pleuvoir, il y aura de l'orage. Donc voilà, je vais faire un petit home tour. Cuisine, salon, salle à manger, c'est parti. Alors voilà la cuisine dans l'état. Bon, vous voyez, hein, là, il y a le poudre de lait Ewan, le petit déj là. Ici, les garçons, ils sont partis courir ce matin, ils m'ont laissé tout ça comme ça. Là, bah, on a plus de lave-vaisselle, donc tout ça, je vais devoir le faire à la main. Voilà l'état de la cuisine. Voilà. Ici, là, il y a mon sac qui est là-bas. Voilà. Ici, il y a Madame Lenaya qui vient de se réveiller. là, Jérémy et Laurent sont partis tout à l'heure ce matin en course. Ils ont pris des croissants et tout. Et là, bah, vous voyez, là, comme là, vous pouvez le voir. Il n'y a plus rien dedans, mais ça reste ici, sur la table. Il y a le chargeur, il y a la crème à Ewan, il y a un chouchou, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Là-bas, voilà, c'est un peu à peu près correct. Ici, vous allez ici, bah, il y a de tout. Hein. Ce matin, j'ai brossé dedans à Ewan avant qu'il part, donc c'est là. Ici, c'est moi. Coucou les amis, je vais avoir du taf ce matin. Là, bah voilà, on s'est étalé hier soir, donc voilà. Il y a le coussin qui est par terre là, il y a le poids Ewan, bon ça c'est normal, à chaque fois quand je le mets aux toilettes, bah, il le ramène ici. Sur la table, il y a la brosse, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mais vive les familles nombreuses, hein? On est six, ça vive ici. Donc voilà. Voilà, voilà, donc là les filles, Eliana et Elena sont réveillées avant de déjeuner dehors, comme ça. Je vais faire le ménage avant que Jérémy et... Et Ewan y rentre. Donc voilà, voilà. C'est parti. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. I'll
you in. Là j'ai fini de ranger. Là je vais prendre mon aspirateur. Donc là l'aspirateur il est bien. Il n'y a pas besoin de ranger. J'ai fini de tout ranger. Du coup je vais prendre mon aspirateur. Vraiment cet aspirateur là c'est un gain de temps. Si vous pouvez vous l'offrir vraiment. Et c'était pas meilleur. Après je sais que c'est très cher. Hein. Moi-même si c'était pas une collab, je l'aurais pas acheté. Hein. C'est au moins 500 €, donc voilà. On l'a eu en collaboration, heureusement, grâce à YouTube, aussi grâce à vous, on va dire. C'est pour ça, mais je l'adore, vraiment, c'est un gain de temps. Là, j'ai tout rangé, j'ai fait la poussière de partout, puis j'ai juste à aspirer. Il n'y a pas besoin de serpiller, il n'y a pas besoin de, d'aspirer à part. L'aspirateur, il fait, ça aspire et ça serpille en même temps. Donc voilà. C'est un gain de temps de fou, les amis, vraiment, si vous pouvez, un jour. Acheter. Ça va vous gagner, faire gagner du temps. Là, c'est nickel, c'est rangé, c'est nettoyé. Franchement, c'est. Voilà, j'ai juste à remplir le bac. Maximum, c'est ici. Remplir le bac, mettre du liquide, mettre le produit à sol et puis aspirer. C'est tout. Bon les amis, là j'ai fini, je suis dehors là, j'attends que ça sèche et puis après je vais remettre tout en place. Là franchement ça va, il y en avait qui m'ont demandé des nouvelles de mon orteil, franchement ça va, hein, j'arrive à faire des choses mais vraiment, quand je pousse de trop, après en fin de journée je suis cassée. Par exemple la dernière fois on a été au feu d'artifice là, dans l'autre weekend vlog que vous avez vu, je voulais mettre des chaussures fermées comme les baskets, j'ai mis des baskets et vraiment, le lendemain, le soir même et le lendemain, j'en ai. Si oh, j'avais trop mal. En fait, je pense que les chaussures fermées, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Il faut que j'attende encore un petit peu. Mais bon, je me suis dit, c'est le soir et tout. Je vais essayer surtout de les mettre. Mais en fait, j'aurais pas dû parce qu'après, j'ai eu très très mal. Enfin, bref. Sinon, aujourd'hui, nous sommes le 15 et bébé Iwan, il a 20 mois. Oh là là, mon Dieu. Donc, 4 mois, il a 2 ans. Vous imaginez? Franchement, j'ai envie de pleurer quand je pense à ça. C'est trop là, le temps il passe trop vite, hein, vraiment. Oh là 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 là, donc voilà. Il fait bon là pour le moment. Là ça y est, là je me suis. J'ai fini mon ménage, comme ça au moins Iwan, parce que Iwan dans mes pieds, j'aurais pas pu faire aussi vite que j'ai fait là. J'ai mis facile 45 minutes à tout nettoyer le bas. Là les grands sont à l'étage, je sais que quand ils vont finir, là ils sont partis ranger la chambre. Prendre leur douche et je sais quand ils vont finir de prendre leur douche et tout, ils vont me nettoyer la salle de bain. Donc ça, je ne me fais pas de soucis pour ça. Donc voilà, là, je vais aller tout remettre en place. Là. C'est parti. T'as été en course, mon bébé? Mais t'as pris quoi? T'as pris du fromage? T'as mangé quoi avec, en course? Il a pris un petit pain au chocolat. Regarde, il va aider. Hein. Là, il a fait. Il est content. Tu vas aider, bébé? Prends alors, prends. Non, il faut pas prendre le lait, mais c'est trop lourd ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut prendre? Ça, c'est le lait? Ouais. Tiens, le riz. Prends le riz, tu vas mettre là-bas. Waouh, c'est le riz pour Iwan? Oh là là, c'est lourd. Du coup, les amis, Jérémy et Iwan sont partis en cours chercher quelques aliments qui nous manquent. Tu manges quoi, toi? Fais A. C'est ça. C'est quoi? Un péricube? C'est bon, bébé? Oui, il faut pas tout manger quand même, hein? Il y en a plus. Fais A, je vais voir. Au saumon, attends. Ah! Là, au saumon. Ah, bah, il a pris le melon là-bas, c'est ça qu'il est en train de nous montrer. Pastèque. Ah, il est là, le melon jaune. Alors, du coup, il a pris du lait de croissance pour Iwan, couche pour la piscine, des lingettes, des petits jus comme ça.
des yaourts. Il a pris. T'as pris quoi là? C'était en promo ça, t'as pris? Ouais. C'est. Ça fait 5 euros les 30. Ok, ça va. T'as pris quoi d'autre? Du saumon? Ah non, c'est des petits. Ok. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Non, c'était pour eux, tu manges ça là comme ça. Il y en a 10. Il a pris des. Céréales. Promo, hein, tout ça, c'est pour ça que j'ai. Ouais, c'était en promo. Compote bébé One, oignon, encore là, c'est le thé là. Le ah, c'est au melon? Non, c'est... même pas. Non, c'est au. Pêche. C'est à la pêche. Il a pris des dés de chèvre pour des salades de pâtes. Il a pris quoi d'autre? T'as pris quoi? De la mozzarella, des pains de mie. La péricule que j'ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est... T'as pris des olives. Il a pris le thermomètre pour la piscine. Il a pris une petite bassine comme ça pour tremper les pieds avant de rentrer dans la piscine. Et moi, j'ai fini mon ménage. Tout est nickel. Il me reste juste la petite vaisselle à faire là. J'ai presque fini. Ce midi, je vais faire du riz cantonné. Donc là, j'ai mis le riz à cuire là-bas. Donc voilà, je suis bien là. Il a pris les pastèques aussi. Ça va mon bébé? Quand t'es pas là, le ménage, ça va vite, hein. Pour ça, je l'emmène. Il aime trop les courses. Ouais. Il aime trop, mais c'est Leclerc, c'est son magasin. Même et dame, en plus, il est sorti comme ça. Tu sais que la dame à la scanette, c'est toujours la même dame. Ouais. Aujourd'hui, il a tiré la langue. T'as fait comment? T'as tiré la langue. T'as tiré la langue à la dame? Regarde, tire la langue. Oh, tire la langue, je vais voir. Comment t'as fait comment? Et après, t'as fait quoi après? Après, elle a fait le sourire. Et après, t'as souri à la dame? Waouh! Après, vous êtes timide. Et t'as mangé dans l'eau claire aussi, hein? Non, c'est en sortant. Ah oui? Je voulais partir, mon papa. Ah oui, t'as été faire des courses avec papa? Hein? T'aimes bien faire des courses avec papa? Hein? C'est trop bien. Non. Fais bravo. Ewan, il a fait des. Tu vas dire à Lilo-Wan? Oui! C'était. Dieu appelle Lolo. Lolo! Et Yaya? Tu vas leur raconter que tu as été faire des courses. Ah oui, il a pris des sacs poubelles aussi. On n'avait plus des sacs poubelles. Donc voilà, tu rentres comme ça. Moi, je. Il si un tarif pour tout ça, je peux vous le dire, mais ça fait mal. Hein. Ouais. 109 euros. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. T'as vu, hein, il y a du lait entier. Ouais, j'ai vu. Il y a le lait, ça. Donc déjà, tu prends ça. Surtout que là, c'est même pas. C'est juste ce qui nous manque, quoi. Hein. C'est des courses d'appoint. C'est n'importe quoi. La vie est chère. Ouais. Tu fermes la porte, bébé? On va en mettre une au fouet. Ferme. Ça, c'est bon, ça, le 4 ans. Ouh là 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 là, il est fort ce bébé, hein. Maman, fait à manger pour toi? Oui. D'accord. Là, j'ai commencé à faire à manger. Là, je suis en train de couper les oignons. J'ai déjà fait plusieurs fois. Arrête. J'ai déjà fait plusieurs fois. Ih, va fermer le parasol. Coucou les amis. Ouais, bah, il a basculé là. Hein. Il y a du vent. Là, je suis en train de couper les oignons. Mon riz, il est déjà fait. Je suis en train de faire cuire. Je suis en train de faire cuire le petit pois parce que je l'ai pas en boîte, mais plutôt surgelé. Donc, je vais vous remontrer la recette, malgré que j'ai déjà montré plusieurs fois. En fait, là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais là, je vais faire pas mal de riz cantonné. Comme ça, au moins, pour ce soir, je suis tranquille. Oh, ah, elle est belle, ma fifi, avec sa robe. Ma fifi aussi, avec son pyjama, elle est belle. Hein? Merci. Merci ma fille. Viens montrer ta belle robe. Waouh! Attends, tu recules. C'est une star. Hein? C'est la star à maman, ça. Hein, c'est vrai? Ouais. Ma petite chinoise. Avec ses yeux étirés. Elena, à la naissance, franchement, avec ses yeux sont vachement bridés. Bah moi, je l'ai, j'ai les yeux bridés, mais pas autant que elle. À la naissance, c'était, on dirait une petite chinoise. Je pensais que ça allait partir, mais en fait, elle va le garder, mais c'est super joli. C'est trop beau, ça lui va trop bien avec sa petite tête, là. Donc là, c'est bon. J'ai fait cuire le riz dans un petit casserole que j'ai acheté chez Action, là. Ça cuit trop bien le riz. J'ai le cuiseur, mais comme Jérémy n'était pas là, je voulais pas monter, prendre le risque de monter, quand que je tombe. Donc voilà, le cuiseur, je l'ai rangé là-haut. Oh là là, il fait lourd. Moi, je déteste faire les courses. Hein. Heureusement que Jérémy, il est là pour gérer. Hein. J'ai jamais fait les courses. Puis même, j'ai déjà été une fois, et vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Jérémy fait les courses. Moi, je m'occupe
de faire à manger, le ménage, donc voilà quoi. On se partage les tâches. J'ai jamais fait les courses. Voilà. Donc là, du coup, je suis en train de faire cuire les petits pois. La morue, il est prêt. Voilà. Le riz basmati, là, vous savez le sachet violet là, de chez Leclerc, ça que je prends. Attendez, je vous montre ce riz, il est trop bien. Il est super bon. Du coup, là, Jérémy m'a repris pareil. Et vraiment, il colle pas. Il est trop bien. Il est super bon. Hier, ils ont déjà été dans la piscine hier. Ouais. Lily, hier, je l'ai jeté. Du coup, tu l'as mis dedans? Ah, t'as attaché? Oui. J'allais pas te prendre, t'inquiète pas, Fifi. Là, on a mis le... Comment tu appelles ça déjà là? Le chlore. Le chlore dedans là, ici. Combien? 20 degrés. 22. 22? Mais c'est là-bas, 22. Ah ouais? Parce que là, ça fait pas longtemps. Ouais, elle est pas chaude, chaude, hein. En hauteur. Mais... Là, t'as mis. On n'entend même pas la pompe, hein? Là, elle est en route, là. Ouais. Et Ewan, il a voulu y aller, mais il a fait que de pleurer. J'ai jeté Iliana dedans. Mais après, hier, en fin de journée, il faisait super beau. Il a commencé à faire beau à quelle heure? Je crois que c'était sur le coup 16h30, donc ils ont profité au moins jusqu'à 18h. Avec du grand soleil. Ouais. Aujourd'hui, on va faire 26, mais. Il y a de l'orage à 16h, jusqu'à 15h à 16h. Ouais, de 15h à. Bah, après, je pense que vous allez y aller. Ouais. Il va faire au moins. Mais à 18h, 17h30, 18h, il y aura du grand soleil quand même. Ouais. Donc vous allez en profiter. Je vais dire à Tata de ramener Kélia. Oui. Bah oui. Ouais, on se revient. La piscine, elle est super grande, hein. Vraiment. On va prendre soin de tout le monde, hein. Faut regarder, regarde. Surtout les cheveux là, à mon avis, quand tu vas nettoyer la pompe. J'ai jamais mes cheveux dedans. Hein? Moi, j'ai jamais dedans. Ouais. Donc là, vous faites revenir vos oignons, que ça soit bien doré. Et après, vous ajoutez les petits pois et les dés de jambon. Vous laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes. Et après, vous faites les omelettes. Comme le riz, là, il est déjà prêt. Voilà. Là, Jérémy va attendre un petit peu, là. Il est quelle heure, là? Il est 11h30. Il a 30 minutes pour tendre. C'est jusqu'à midi. Donc là, c'est bon. Mes oignons sont bien dorés. Je vais venir ajouter les dés de jambon. Je mets les deux, là, parce que je vais... en bonne quantité, je vais rajouter, voilà, je vais laisser cuire ici à feu doux tranquillement. En attendant, je vais faire les omelettes. Là, je suis en train de faire mes omelettes, hein. Je casse les œufs pour faire les omelettes. Là, j'en ai pris 3, 5, je pense que j'en prends 6. En fait, moi, quand je fais à manger ou quand je fais le riz cantonné ou quel que soit le repas, je ne mesure rien du tout. En fait, je fais en fonction de... Je connais ma famille, je connais leur appétit. Donc vraiment, je fais en fonction de tout le monde, en fait. Quand on a une famille nombreuse, franchement, on ne mesure rien du tout. Moi, quand je fais à manger, je fais tout au pif, comme ça, au moins, voilà. Par contre, là, je ne vais pas saler. Hein. Il y a le dé de jambon, ça a déjà salé. Donc, je ne vais pas saler. Donc là, les omelettes sont faites. Du coup, je vais venir rajouter le riz.
je l'ai mis partout. Et là, après, vous venez rajouter les œufs. Vous achetez vos œufs et vous mélangez bien. Là, je ne vais pas ajouter celui-là. Vous mélangez le tout bien comme il faut. Ewan, il aime beaucoup le riz cantonais. Là, je sais qu'il va bien manger. Bon bah voilà les amis, c'est fini le riz cantonais. Vous avez vu, franchement c'est très simple, rapide à faire, super bon et surtout c'est pas très cher quoi. Donc voilà, le repas de ce midi est prêt et de ce soir. Pendant ce temps monsieur il rase la pelouse. Hein. Là, vraiment, on n'a pas prévu le coup, là. Vite, vite. T'as rangé la tondeuse? Oh, mais non. Mais c'est quoi? Je l'ai un peu comme ça. D'un coup comme ça, là. Il y a eu des petits coups, après ça a commencé à faire fort. Mais t'as vu, bébé, ouais. Mais c'est quoi ça encore? Oh! Bébé, ouais, il va manger. C'est bon, maman, elle a fait à manger? Oui. Elle a mangé du riz cantonais? Oui. Depuis qu'on a acheté la petite table là pour Ewan, il ne veut plus sa chaise haute. Hein. Il mange que là-dessus maintenant. Du coup, on a enlevé la chaise. Hein, bébé? Parce que toi, tu es un grand garçon. Celui qui veut le pastèque, il lève la main. Waouh. Pastèque. J'avais la vie. Ewan, tu veux... Celui qui veut le pastèque, il lève encore la main. Waouh. Waouh. Tiens. On dit quoi, maman? What the... On dit quoi? Dis merci. Ah, tu, il y a plein de riz par terre. Tu as mangé ta pastèque, bébé? C'est bon? Attends, maman est plus devant toi. Comme ça. Bon, les amis, il est 13h34. C'est l'heure de pour bébé Ewan d'aller à la sieste. Il n'a pas voulu manger. Hein. Là, depuis hier, les repas pour Ewan, à part les pastèques, il n'a pas voulu manger autre chose que les pastèques. Du coup, il a eu droit à un petit biberon avec les petits... J'ai mis des légumes dedans avec des légumes. Donc voilà, c'est du lait entier. Hein, bébé? Tu as fait dodo après? Oui. Tu as fait dodo comment? Ferme les yeux. Les amis, on se retrouve là. Il est quelle heure? Il est 15h20. Bébé Ewan, il a fait 2 heures de sieste. Il vient juste de se réveiller là. Du coup, Jérémy, il est en train de faire une allée. Tu aides papa à faire une allée pour la piscine, bébé? Oui. On attend mamie, tata et Kélia qui vont venir tout à l'heure nous rendre visite. Les ados vont aller dans la piscine tout à l'heure, comme hier. Là, en fait, il va plus pleuvoir là, apparemment, comme tout à l'heure là. La pluie s'est terminée et ils vont aller dans la piscine peut-être vers quelle heure? Vous attendez qu'il y ait du soleil pour y aller? Ouais, mais regarde, c'est bleu. Donc voilà. Ewan, il a bien bien dormi. Il s'est réveillé de bonne humeur, il a même pas pleuré. Tu aides papa, bébé? Ouais. Des gros pas comme ça.
Ah ouais. Il a ouvert la porte et il nous fait ça. Il a rigolé quand il vous a vu. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de saleté dans la piscine. Quoi. C'est surtout pour ça. Moins, quoi. Ouais. Et puis, il y a la petite bassine là-bas pour tremper les pieds avant d'y aller. Et le petit marche-pied, là, c'est parce qu'en fait, sans ça, ils ne peuvent pas rentrer dans la piscine. On est obligé d'avoir ça. Elle est haute. Elle est haute, ouais. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'attends les 30 degrés pour y aller. Peut-être, c'est quoi les 30 degrés, Alizé, tu dis? Jeudi 31, vendredi 32. Ah bah voilà, c'est là que nous on va y aller nous. Ouais. Bah toi, ouais. Je pense pas, mais moi t'es un frileux toi. On va voir alors. Bah ouais. Mais c'est quoi ça? Je sais pas. Ah. Et moi, viens voir. Mamie, elle est arrivée. Un peu. Et ouais, lui il veut pas aller dans la piscine. Là, on a mis ça pour qu'ils trempent leurs pieds, mais une fois que la piscine est finie, ça reste pas dehors. Comme on est ici à côté, c'est pour ça qu'ils montent dessus. Bah là, on a commandé la tu sais la bâche. Elle arrive demain. Mais il veut pas y aller, il veut même pas tremper ses pieds, Lily. À l'éclair, il y avait des bâches de tir. Ah ouais? 25 euros. Allez, Kélia. Kélia, elle nage? Oui? Tu fais attention. Toi aussi, tu vas aller dans l'eau, bébé? Attention, attention. Il y a la perche. Il y a la perche dans l'eau. Les amis. Devinez, je me suis fait quoi encore? Voilà, elle est tombée la petite dame. C'est mamie et tata qui m'ont ramassé par terre. C'est quoi qui colle là? Je sais pas. Et ma cheville, elle a doublé de volume. Donc voilà, je pense à une entorse. C'est quoi? Ah, c'est des trucs, c'est pas grave, tu mets. Ah, c'est pas la lessive ça? Oui, mais tu laisses et puis tu laves après. Ouais, donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas. C'est bien, bien gonflé. Mais voilà, il a contribué. Hein. Hein? On va te lever. Et voilà. Tout le monde a participé pour me soulever. C'était chaud, hein? Bébé. Ah voilà, c'est chaud. T'as vu, il y en a beaucoup de trucs qui sont pas secs encore là. Ça va, bébé? Maman, elle est tombée comment? Montre. Poula. Et poula, maman, elle est tombée poula. Elle est tombée poula. Coucou, les amis. Du coup, là, on est le lendemain. On est mardi. Le 17, non? Non, le 16? Si, le 16, mardi 16. Moi, j'aime bien. Ah non, ça sent l'essence, ça sent bizarre quand même. Donc là, il est, je vous prends tard, franchement, ce matin, c'était beaucoup, parce que je me suis fait mal à la cheville, c'est gonflé. Je vous montre ça tout à l'heure, là, franchement, j'ai pas de chance, hein, je sais pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis dégoûtée, mais bon. C'est comme ça, je vous prends tard, il doit être 17h, hein. Franchement, c'était repos ce matin, repos, j'ai glacé, j'ai mis le truc là, une attelle que Sonia elle m'a passé, donc là l'attelle est posée, du coup là depuis ce matin je suis allongée, là je suis sortie prendre un petit peu d'air, donc voilà, je vous montre ça. Ah, il y a du colis. J'ai galéré de sortir ça de la boîte aux lettres. Sonia m'a passé cette attelle là pour la cheville. Franchement, ça me fait du bien parce que quand j'ai pas l'attelle, en fait, j'ai l'impression de perdre l'équilibre. Je sais pas si c'est normal. Je me suis jamais fait une entorse à la cheville. Donc voilà. Désolée, hein. Mes pieds ce matin, j'ai même pas mis assez de crème tellement que j'ai mal. Et quand je me suis fait mal, il y a les points noirs là qui ont apparu. Il y avait pas ça avant. Du coup là, ça a apparu et j'ai super mal. Oui, mon bébé. C'est pas pour Ewan ça. Hein. Attends, fais voir, c'est lourd ça. Donc voilà. Encore une fois, elle s'est fait mal. En fait, c'était là. Attends, je vais là-bas. Je pense que j'ai loupé une marche. Je partais pour aller chercher une fraise pour Ewan. Et je pense que j'ai loupé une marche. Et en plus, Ewan, il est tombé en même temps que moi. Va montrer comment je. Maman, elle est tombée. Ewan, il va vous montrer comment je suis tombée. Maman, elle est tombée là-bas, maman, hier. Elle a fait comment, maman?
Elle est bonne, ne. Voilà. Du coup, on a reçu le bouet là pour bébé Ewan, pour le mettre dedans pour la piscine. On a pris ça sur Amazon. Au lieu de 12 euros, c'est passé à 6 euros. Donc voilà. Et comme ça. C'est quoi ça? Hein? On a une seule vie. Donc voilà, voilà. Mais normalement, pourquoi t'as pas pris le truc là pour gonfler, le truc qu'on a utilisé pour gonfler les ballons là? Oh, mais vas-y, ouvre ça, Lily, c'est pour mettre sur la piscine ça. Ah oui, ouais. Du coup, le bouet, il est comme ça. Mais en fait, sur le site, ils disent de 9 à 99 ans. Ouais. Ouais, de 9 ans à 99 ans. Je sais pas. Ah, en fait, quand je regarde les images sur YouTube, sur Amazon, bah il y a des bébés hein, de l'âge à Ewan. Okay. Allez, vas-y, et. Mais là, au moins, il aura pas. Ah, il a fait. Oh, Ewan, il a. Bah, qu'est-ce que tu lui fais, Léo Loan? Le pauvre, en plus, regarde, il a une claquette sur les deux là. Ouais. Enlève. Mais Loan, lâche. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais Loan, il fait n'importe quoi au pied des Wan là, le pauvre. Et puis il dit rien. Aïe! Il se laisse faire. Un croupier. Oh là là, ah, mais là il est bien. Là il est bien, comment on dit? Bien protégé. Mais tu veux pas aller dedans, ça, bébé? Ça, et du coup, lui, madame, elle veut aller dans la piscine. Elle. Tu pourras essayer ça si tu vas dans la piscine. Dans la piscine là. C'est de 9 ans, c'est de 9 à 99 ans. Attends, je vais essayer. Mais quel adulte de 99 ans qui va aller là-dedans? C'est quand même bizarre cette histoire. Il rentre même pas dedans. Après, sur l'image, il y a des bébés donc. Ah non, ouais. Mais tu peux... Va montrer à papa. Ah ouais, non, c'est pas papa. Comme ça, vous voulez mettre là, vous voulez essayer la bâche, Lily? La bâche, elle est comme après, ça. Elle est pareil, la bâche, au lieu de... Je crois que c'était en promotion. C'était au lieu de 18, on l'a eu à 8 ou 9 euros. Je sais pas. Je sais plus. L'escabeau. Tu veux y aller dans la piscine, bébé? En fait, assieds-toi dessus pour voir. T'arrives pas? T'aurais dû le mettre avant de rentrer dedans. Arrête, Ewan. Ça se remet? Ça remonte? Bah oui. Arrête. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là on est mercredi. Vous voyez? J'ai failli tout faire tomber fils. On est mercredi 17. Il est pas loin de midi. Je suis en train de faire une salade de pâtes là pour ce midi parce qu'il va faire super chaud. Donc une petite salade de pâtes, ça va être très bien. Cet après-midi là, aujourd'hui j'ai rendez-vous, encore le rendez-vous au dentiste. Franchement, ça me saoule, ça me gonfle. Du coup, j'ai rendez-vous à 13h50. Franchement, 13h50 mon rendez-vous. Tu vas arrêter, Ewan? Arrête. 13h50 au rendez-vous dentiste. J'espère que là c'est bon, là ça va être la fin, j'espère, parce que j'en ai marre. Donc là je fais une petite salade de pâtes, j'ai quoi? On a quoi? De l'olive, on a... Je mets des dés de jambon dedans, on a de l'olive, du fromage... C'est quoi le fromage déjà que papa il a acheté là? Le fromage, viens me sortir les trucs là s'il te plaît. Est-ce que vous voulez que je mette des œufs dedans? Là, je suis en train de faire cuire mes pâtes avant. Non, l'autre fromage là, les deux. Oh, bah, Ewan, il est content. Hein. C'est le fromage. Tu sais, il est en boule un peu. Attends, j'arrive. Attendez. Non, pas ça, attends. Alors voilà, j'ai de la mozzarella. Après, j'ai des olives, mais j'aurais préféré des olives noires pour la salade, hein, mais là, j'ai que ça, donc je vais faire avec ça. Là, il n'y en a presque plus, mais j'ai une autre boîte. Et après, j'ai aussi les dés de chèvre, salade et apéritif. Ça comme ça, mais je vais voir avec les enfants ce qu'ils préfèrent.
soit la mozzarella, soit ça. Et j'aimerais bien mettre des tomates dedans, mais on n'a plus de tomates. Et je vais mettre des dés de jambon. Et je vais aller voir dans le jardin pour prendre un petit peu de tomates. Loan, tu peux aller voir dans le jardin pour cueillir des tomates bien rouges. Tu regardes, s'il te plaît. Je vais voir. Je vais remettre ça d'abord au frigo. Ça, ça. Jérémy, il est parti à la douche. Les filles, elles sont en train de... On est en train de nettoyer la piscine, c'est ça? Ouais. Va faire... Là, on est mercredi, là, toute la semaine va faire beau. Vendredi, c'est prévu 32, jusqu'à 32 degrés. Donc voilà, ils vont passer la journée dans la piscine. Je pense même nous aussi. Là, aujourd'hui, ma cheville, elle s'est dégonflée. Mais j'ai en fait, la cheville, elle s'est dégonflée, mais j'ai l'impression que j'ai pas trop d'équilibre quand je marche. Et comme ma soeur, elle m'a passé une attelle... Du coup, ça, quand je marche avec la tête, j'ai quand même de l'équilibre. Mais quand j'ai pas la tête, j'ai l'impression que je peux basculer à tout moment. Donc voilà, mais j'ai pas... Franchement, la douleur, au niveau de la douleur, ça va, j'ai pas mal. Parce que je glace beaucoup. Je mets aussi une pommade que ma soeur m'a donnée. Et je mets de l'arnigel. Donc je pense que c'est ça qui a aidé, je sais pas. Donc voilà, voilà. Là, aujourd'hui, rendez-vous dentiste. J'espère que ça va être la fin, là, aujourd'hui. Franchement, sinon, là, je sais pas comment je vais faire. Parce que je passe ma vie à aller au dentiste, j'ai l'impression, hein. Commence à bien faire, c'est pas un moment de plaisir le dentiste. Hein. Il faut y aller toutes les semaines, ça fait 3 semaines de suite que c'est dentiste, dentiste. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh les amis, pour le moment on n'a pas beaucoup de tomates, tomates rouges, mais bon, je vais faire avec ce qu'il y a. Hein. Là je pense que cette semaine tout va rougir là. Hein. Ouais, tout va rougir je pense. Ouais. On a que ça, donc je vais faire avec, c'est pas grave. En fait, je suis tombée ici, en fait. Je pense que j'ai loupé une marche et du coup je me suis retrouvée dans les tomates par terre. J'étais avec bébé Ewan, lui aussi il était par terre. Et au moment de me retourner, il était debout sur moi en train de me regarder. J'étais morte de rire. Et heureusement qu'il y avait ma mère. Heureusement qu'il y avait ma mère et Amandine qui m'ont aidé à me soulever. Parce que sinon franchement je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Jérémy il était en train de bosser. Tu vas arrêter, oui, petit corps. La grosse là-bas n'est pas trop bien mûre, Loan. T'as vu là, il y a une petite là tout en bas. Avec ça, il n'y a pas beaucoup de tomates, c'est pas grave. Hein. Ou alors, on va le laisser pour bébé Ewan. Il va manger. T'as vu? T'en veux déjà une? Mais non, il faudra laver. Viens, on va laver. On va laver. Il y a une toute petite bébé tomate. Allez, on va laver avant. Tu laves une tomate, Loan, s'il te plaît. Je viens de voir que j'avais ça, du surimi comme ça. Là. Suprême. Ouais. Je vais mettre avec et les enfants ils préfèrent que je mélange le dé de l'émental et fromage de chèvre. Dé de fromage de chèvre, dé de jambon, ça, ça et des tomates. Voilà. Et des olives. Mais j'aurais préféré quand même les olives noires. Pourquoi vous n'avez pas pris. Attends, Didi. Pourquoi vous n'avez pas pris du. Ah non, tu n'étais pas en course avec papa toi. J'allais dire pourquoi vous n'avez pas pris de. Je sais pas, hein, j'ai du mal avec le fromage de chèvre, moi. Je vais mettre un peu de... En fait, je voulais mettre ça aussi, mais je vais pas le faire. Je vais le garder pour, un peu, pour plus tard. Comme j'ai déjà mis les dés de jambon dedans, ça sert à rien. Je vais mettre juste mes tomates, là. Il y en a pas beaucoup, hein, des tomates, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre ce que j'ai, là. Ça va être bien. Tout à l'heure, j'ai mon rendez-vous à 13h50, là. J'hésite à prendre la voiture. Parce que c'est l'heure à laquelle Ewan doit être à la sieste. Donc, je vais voir tout à l'heure si je peux, avec ma cheville, là, qui est... qui est pas normale, là. Si je peux appuyer sur l'embrayage. Parce que là, en fait, l'orteil qui est cassé, c'est le pied droit. Et là, c'est le pied gauche, là. Je vais tous les faire. Franchement, ça me déprime. En 35 ans de vue, en 35 ans de vie, je me suis jamais rien cassé et là il a fallu que tout arrive. Là. Et là ce matin, j'ai regardé en dessous, j'avais des taches bizarres, je sais pas c'est quoi. Donc un peu de temps ma santé là, c'est un peu j'en ai marre franchement. Enfin bref.
Du coup, regardez, ma salade, elle est comme ça. Après, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Tu vois, c'est toi ou c'est les enfants là? Dans la salade, vu que j'ai déjà mis les dés de jambon, je vais pas mettre ça encore. Je peux garder ça pour plus tard. Non, non, regarde. C'est quoi la date? Je sais pas. Ouais, au mois d'août, le 13. Je disais tout à l'heure que j'hésite à prendre la voiture. Et comme c'est le pied droit, le pied gauche pour appuyer sur l'embrayage. Là, tu vas pas qu'il nous gère. Bah, faut que tu me déposes alors. Allez. Bah. Tu me déposes et moi, il va dormir, c'est pour ça. Comment tu fais? On va s'arranger. C'est l'heure du rendez-vous, c'est pas nuit. C'est 13h. Tu me déposes et après, tu viens me chercher ou je vais je rentre à train et tu me récupères là? Bah, je suis obligé de venir te chercher. Du coup, là, c'est bon, c'est fini. Ça donne ça. J'ai mis un peu de crème légère dedans. Bon les amis, on va manger dehors. Ça va bébé? Tu vas manger dehors? Et ouais. Hein? Tu vas manger dehors? Tu vas chercher ta table? Oui? Alexa? Alexa? Coupe le son. Oui, tu vas ramener ce qu'il faut manger. Regardez, il va chercher sa chaise. J'en peux plus de toi avec ton petit corps là. Allez, sors. Bah, tu te mets ici. Mets-toi ici, tu seras mieux à l'ombre. Faut ramener la table, faut tout ramener. Hein. Là, voilà. C'est bon, t'es installé, bébé? Oui, on va manger? Attends, viens ramener ton assiette, d'accord? Hein? Mon amour. Les apéritifs, je sais pas si c'est parce qu'il y a quoi comme goût là. Parce que sérieusement, il y a des trucs là, j'aime pas. Hein. Hier, il m'en a donné la moitié du sien. Et on dirait que lui aussi, il aime pas parce que. Ouais, il aime trop les bleus. Parce que hier, il m'a donné sa moitié et j'ai goûté. Franchement, c'était. Non, t'en as déjà un dans la bouche, Ewan. Il faut enlever avant. Bon les amis, est-ce qu'on peut avoir la classe comme ça là? Hein? Regardez-moi ça. Voilà. Bon, du coup, là on est parti pour mon rendez-vous au dentiste. J'ai essayé de conduire, impossible d'appuyer sur l'embrayage, sur le pied gauche. Donc c'est même pas la peine. Donc là, il me dépose et tout le monde, hein, on est tous là. Et après, ils vont rester dans un parc au centre-ville et ils me récupéreront juste après le rendez-vous. Sinon, ça va faire des allers-retours aussi. Non. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Le pied gauche. Moi, j'ai autre chose à dire. Ouais. Le couteau. Ouais, 15h. Ouais, du coup, on se gare ici. Enfin, Jérémy va rester là avec les enfants. J'ai mon rendez-vous dans l'étage, là, dans ce bâtiment. Et une fois que c'est fini, il vient me chercher avec les enfants. Là, en attendant, ils vont aller au parc. Ils vont aller faire un petit tour au parc juste à côté. C'est bizarre. Ewan. Maman, Ewan, il voulait un bisou. Attends, tu fais des petits bisous pour maman? Tu es au parc? Atata! Atata! On fait un petit peu de câlin? Un petit bisou? Maman, elle va aller là, il y a l'ascenseur. Tu connais l'ascenseur, Ewan? Là, dans le bâtiment. Ah, oui, une dent. Ah, Ewan, tu as des belles dents, elle n'a pas besoin d'aller. Non, fais voir tes dents, toi. Oui, baisse ça Lily pour ses pieds qui tombent par terre, les côtés. Et voilà.
tout à l'heure. Tu fais tout à l'heure, maman? Allez, go. Et on passe comme ça et on tourne tout à l'heure, ouais. Alors, on est bien arrivé au parc Pasteur. Donc, hop. Ici. Et voilà. Merci, madame. C'est joli, hein? Ça va changer ou quoi? Non, pas vraiment. Par là-bas, on va aller faire des jeux. Galo de l'histoire, supplice de l'incertitude, tuer le temps. Notre qui s'envole, rien à faire. C'est pour apprendre, c'est pour étudier tranquillement. C'est des tables et chaises, enfin, et tabourets quoi. C'est joli. J'aime bien cet arbre là. Il est bien taillé en plus. Voilà, on est bien à l'ombre. T'as vu? Ah ouais. Bon, normalement ici c'est ouvert, il y a des barbes à papa, des boissons et tout, mais là la caravane est fermée. Hein. C'est dommage. Mais là c'est un peu haut là. Hein? C'est un peu haut là. Je sais pas. Peut-être. On verra. Waouh! Ah, il est costaud celui-là. Hein. Bah, t'as pris ton téléphone. D'ailleurs, tu m'as dit pas avoir pris. Tu m'as dit pas avoir pris ton téléphone. Bah alors. Ah oui. Allez, allez. Ça galère, on repose, attends, attends. Ouais. C'est juste quand même. Hein. Faut un peu de bras. Hein. Bon, Laetitia, elle a fini son rendez-vous, on doit y aller. Mais monsieur, il dit non, 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 il veut pas rentrer. Bon, on va essayer de trouver une petite astuce. Loa et Ewan, on y va? Ewan, on y va ou pas? Ewan, on va voir maman? Oui, le manège, on ira le faire après. Ah bah, il reconnaît ça. Hein. On le fera une prochaine fois, on reviendra faire une journée ici, ça sera mieux parce que là. Allez, on y va, go, voir maman. Et Ewan, il fait coucou à la dame. J'aimerais bien dans le jardin un truc comme ça là. C'est bien taillé. C'est quoi ça? C'est une sauterelle, ça. Elle est où, maman? Elle est là. Il a pas voulu, il a marché jusqu'à là. On a marché au moins 10 minutes avec bébé Ewan. Maman, elle est là-bas, regarde, tu la vois? Et on va aller rejoindre là-bas. Il va tomber, c'est sûr qu'il va tomber. Mais comment il court? Il a marché du parc Pasteur jusqu'à là. Oh, c'est vrai? Oui. Il n'est pas allé dans la poussette. Hein. Il fait des trucs comme ça. On va aller chez Action. Après, on va aller chez Leclerc. Faire quelques courses. Les ados, ils vont aller chercher les bouées de sauvetage. Et ouais, il y a des bouées pour s'asseoir. Tu vois? Ça fait quelle taille ça? Ah! Mais vous pouvez choisir d'autres? Tu vas prendre le rose aussi. Loin, t'as pris quoi toi? Bleu? Ah oui. Mais les amis, il y a la cloche pour couvrir les aliments comme je vous avais présenté dans le. Dans mon hall à Chine.
Ouais, ça c'est pour s'allonger, ça. Ça pourrait être mieux, ça, non? Du coup, bah, tu laisses celui, l'autre là. On enlève un rose. Un petit jouet pour Ewan. Ouais. Vous avez vu ça? Ouais, c'est juste. C'est une cible. Ouais, c'est une. Pourquoi t'en as pris deux? Non, ça c'est le shampoing. Ah, t'as pris shampoing après shampoing? Ça c'est meilleur que l'autre. Ah oui, tu l'as dans le fond, il me semble. Ouais, ou tu le fais. Même si. Mais voilà, il va se mettre dessus. Hein? Oui, il va se mettre dessus. Non, mais c'est trop bien le crocodile. Il a trop aimé, il y a qui est sur le. C'est trop bien, non? Regardez. Oh, moi, ouais, c'est pas mal. Mâcher, par contre, on le mettra en main. Il a pris des melons? T'en as pris combien, Ewan? Il a dit quoi? C'est quoi ça? Tu veux des tomates, Ewan? Mais lui, il aime trop les tomates. Hein. Prends du poivre. Faut prendre du pain de mie ou pas? On a pris les fameuses glaces de chez qui traînent en ce moment là, on va goûter. Mais c'est pas donné quoi. 5 euros pour une cuillère chacun. Voilà. Mais papa, mais dessus. Ça va être toute la cuillère pour papa, oui. Ils sont dans leur monde là. Moi aussi. Mister Freeze au chocolat. Vous voulez pas, moi? Non mais papa, il préfère que. Ah, au citron. Non, 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 non. À la mangue. Non, non, par contre à la mangue. À la mangue. Ouais, c'est bon. Moi par contre à la mangue là, ça va. Hein? Ça va donner à la mangue, papa. On repose la mangue, c'est ça? Ah non, 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 ça va pas ou quoi? Elle a l'air bien, la mangue. 3. Plus celui à Ewan qui est en dessous. Là. Tu veux y aller dedans? Tu veux aller dans la piscine, toi? Mmh. Oui. Ben là, c'est censé être celui à Ewan, mais bon, hein, il ne va pas aller dessus. Lui, il a plus l'autre là-bas qui est plus sécurisé. Ah, ma boue, elle est là-bas. Ah bah ouais, c'est au-dessus, il fait chaud au-dessus, hein. Ewan, il a ça, lui. Ewan, tu veux y aller dans la piscine? Non. Un melon? Non. C'est bon, le melon, melon? Non, non, pas la Nutella, l'autre. Mmh, il y en a presque plus. Il a arrêté, c'est pour Ewan. Dis non, 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 Wawa. Dis je t'aime, maman. Tu t'aimes, maman. Oh non, mais arrêtez, laissez-lui. Il veut reprendre. Hein. Arrête, maman. Dis arrête, là. Tu m'en aides. Ah. Ah non, 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 caca. Ouais, il veut encore du melon. Oui. T'es content? Même tout à l'heure, on est rentré, il a mangé des tomates. Regardez ses vêtements, son t-shirt là. Partout. Attends, maman, elle coupe, d'accord? Là, il y a citron vert. Pistache, c'est ça? Menthe. Menthe chocolat. Menthe chocolat. Mangue. Au citron, là, c'est pas bon. Ah non, les goûts qu'il y a dedans, c'est vraiment pas bon. Le sucre. Toi, t'aimes ça écouter des conneries? C'est chocolat. Les amis, c'est la fin de cette première partie de Weekend Vlog. Ça fait déjà une heure, quasiment une heure. Donc, je vais clôturer celui-là ici. Ce Weekend Vlog sortira dimanche. Et la deuxième partie, comme d'habitude, sortira mercredi prochain. Donc, voilà. En espérant que ce weekend vlog vous plaira. Donc je fais le lundi, mardi, mercredi. Je clôture le mercredi. J'ouvre, je continue la deuxième partie le jeudi, vendredi et samedi. Et puis je clôture le samedi pour vous poster le mercredi. Pourquoi tu rigoles? Mais toi, t'es avec tes délires là.
Il a pas de calvitie. Ah bah oui. N'importe quoi. Il montre des trucs bizarres là. Donc voilà les amis, sur ce, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker. N'hésitez pas à regarder si vous avez liké. C'est trop trop important pour la chaîne, s'il vous plaît les amis. C'est ce qui permet à YouTube de bien nous partager. Donc je compte sur vous s'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.